Blandine Brocard, cette majorité présidentielle, est-ce qu'elle doit être plurielle ou tournée autour d'un parti Moi, je suis très contente d'entendre M. Cochet qui tient ce discours. Mais je crois que, justement, depuis 40 ans, on a une alternance tantôt de droite, tantôt de gauche. Si la gauche essaye de proposer des réformes, la droite bloque, et à l'inversement, si la droite propose des choses, tout le monde est dans la rue. C'est peut-être faux, mais il n'empêche, depuis 30-40 ans, on est dans un immobilisme, aucune réforme ne peut passer. Donc, naturellement, ce rassemblement, d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a très rapidement montré, avec un gouvernement très large, au-delà de tout clivage politique, les vieilles formules d'opposition ne fonctionnent plus. Et les Français, entre autres, ont donné une large majorité à Emmanuel Macron, parce qu'il faut en finir de cette politique archaïque, d'être arc-bouté sur des positions par principe. Ça ne mène à rien, tant au niveau national qu'au niveau local. Il y a plein de dossiers qui concernent notre très beau territoire et qui ne peuvent pas aboutir parce que les différentes instances qui sont présentes sur les territoires ne sont pas du même bord politique et ça bloque. Mmh.